situation réelle. En entraînement, on peut aller plus doucement, on peut changer de trajectoire. Là, c'est quand même différent. Alors Sandra nous expliquait tout à l'heure qu'en général on parle à un des deux chevaux. Là c'est Romy tout au long des parcours, des obstacles. Ça a beaucoup d'influence. Comment ça se passe quand on parle au cheval comme ça? Alors là j'appelle Romy parce que c'est celle qui a le plus d'expérience, donc elle pousse un petit peu l'autre pour lui montrer un peu comment on peut faire. Et puis elle a besoin d'encouragement pour aller jusqu'au bout du soir. Voilà, merci d'avoir repris quelques instants avec nous. On verra tout à l'heure cette compétition Marjorie Magnin, Christophe Koenig et Léa Schmidlin qui étaient les trois en tête après le dressage. On verra tout à l'heure. Ouais, peut-être que Sandra, on en sait déjà un peu plus maintenant. Alors on a justement Léa qui est dans l'obstacle numéro 4. Elle en sort à l'instant 36.